respirer, s'arriver ensemble, et c'est tout ce qu'on aime. Comment dire tout ce qu'on pense sans devenir anathème? Comment vivre sa différence sans que l'âme et le cœur ne saignent? Comment sortir de la danse sans pour autant quitter la scène? Comment tirer sa révérence sans faire de bruit, sans faire de peine? Sans aucune once de violence, ni dans les mots, ni dans les veines. On peut tirer sa révérence sans que ce soit un requiem. Juste la vie qui recommence, un peu plus douce et moins hautaine. À ses idées, ses théorèmes, sans que pour autant la distance n'éloigne de nous ce qu'on aime. Qu'on y soit, qui mal y pense, la vie peut bien rester sereine lorsque l'on tire sa révérence avec amour et sans blasphème. Même si les souvenirs s'égrènent, dans une vie qui recommence, tous les instants nous appartiennent. Une fois tirée sa révérence, on peut surtout rester soi-même. Sous les drapeaux d'intolérance, se refuser de dire amen. Se refuser de dire amen.